Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Marion Off. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de sortir les collants et les Juste au corps fluo parce qu'ensemble, on va infiltrer la comédie musicale Flashdance. Je vais peut-être me rajouter au casting, moi je sais faire la roue, ça peut le faire, je pense. C'est beau ça, tu vois. Ouais. Top. L'héroïne de cette nouvelle comédie musicale, c'est Priscilla Betty qui a bien changé hein, depuis Teste-moi, déteste-moi. Aujourd'hui, elle chante et elle danse sur des titres incontournables des années 80, tels que Maniac, What a Feeling ou I Love Rock and Roll. Deuxième. Salut Priscilla. Salut. Merci d'accepter cette petite interview. Alors toi, j'aimerais savoir déjà, explique-moi comment ça se passe les auditions pour ce genre de projet. Qui est-ce qui t'appelle? Est-ce que tu as passé un casting? Est-ce qu'il y avait d'autres personnalités pressenties? Comment ça s'est passé? Moi, en fait, j'ai rencontré Bruno Berberès lors d'un concours de chant où il est le parrain et je suis la marraine. D'accord. Et on est allé se boire un petit café sur le port et puis en se demandant chacun quel était nos programmes professionnels en ce moment. Et il me dit, bah, moi, je suis sur des castings, je suis sur Flashdance, je cherche le rôle de la fille et tout. Donc c'est vrai que moi, ça m'a tout de suite interpellée. Justement, donc Flashdance, c'est repris de films des années 80. Toi, t'es née fin des années 80. 89. Moi, 89. Ouais. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre de Priscilla quand elle était petite. Les posters au mur, les collections. Les posters, il y avait Britney Spears. J'étais très diddle à l'époque, ouais. Très peluche, très diddle. Et puis, beaucoup de CD. Pas beaucoup de livres, mais beaucoup de CD à écouter, des compilations voilà, de l'époque. Quoi. You can cut your life. J'aimerais savoir aussi, passer H24 son temps avec la même troupe de danseurs, avec les mêmes personnes, on n'a pas envie de se taper un peu dessus à la fin? Pour être tombé pour la première fois dans une comédie musicale et vraiment une vraie troupe où on est beaucoup, je trouve qu'il y a vraiment une super ambiance et tout le monde se soutient et tout le monde sait pourquoi il est là et a vraiment envie de représenter au mieux cette comédie musicale parce que c'est mythique. Bon, maintenant, je vais te faire un tout petit speed interview. Aha. Alors, j'aimerais bien que tu me montres le fameux pas de danse, tu sais, où la nana, elle court toute seule. Là. Alors, montre-moi. Je le tiens ou pas? Voilà, c'est bon? Donc, en fait, je vais te poser des questions. Tu vas répondre, tu peux prendre ton temps ou pas, parce qu'en fait, plus tu mettras de temps, bah, plus je pourrai pas m'arrêter. Je veux bien. Merci beaucoup. On est parti. Priscilla, tu préfères chuter devant 1000 personnes ou réussir ta course à la perfection devant 2 personnes? Que je préfère chuter avec 1000 personnes. Ok, tu préfères danser avec un mec qui sent la transpiration ou tu préfères danser avec un mec qui te marche sur les pieds? Je préfère danser toute seule. Toute seule, ok. Tu préfères avoir le premier rôle d'une comédie musicale qui ne marche pas ou avoir le dernier rôle d'une comédie musicale qui cartonne? Ouais, le dernier rôle d'une comédie musicale qui cartonne plutôt. Ok, et tu préfères, maintenant que tu m'as vu, me laisser ta place dans Flashdance ou qu'on te vole ton scooter? J'ai pas de scooter donc je vais garder ma place sur Flashdance. Bravo. Merci Priscilla. Flashdance, c'est au Théâtre du Gymnase jusqu'en mars 2015. Visiblement, j'ai pas le niveau pour me rajouter au casting, mais vous, n'hésitez pas à réserver vos places. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Marion Off. J'ai jamais...